Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire aujourd'hui. Je m'appelle Nandita Thate et je dirige le secrétariat de réseau IBP basé à OMS à Genève. Et je suis ravie d'être votre modératrice aujourd'hui pour le webinaire. Aujourd'hui, next slide, on va concentrer le webinaire aujourd'hui sur trois histoires de mise en œuvre de Bénin, Burkina Faso et de Madagascar. C'était une activité qu'on a lancée avec tous nos partenaires et aussi le projet de Knowledge Success. L'agenda pour aujourd'hui, on va commencer avec un petit aperçu général. Je vais partager un peu des leçons apprises et ce qu'on a noté pendant l'activité. Mes collègues de Knowledge Success vont aussi partager un peu le processus qu'on a utilisé pour l'activité. Et on va écouter des très bonnes présentations de nos partenaires de Bénin, Burkina Faso et Madagascar. Finalement, s'il y a du temps, on va prendre des questions, avoir une petite discussion. Next. Avant de commencer, juste pour noter, la webinaire sera enregistrée. Vous pouvez aussi soumettre vos questions à droite. Il y a un petit bouton et vous pouvez écrire les questions là. Là aussi, vous voyez, on a les documents que vous pouvez télécharger avec toutes les histoires et des autres ressources. Et finalement, on vous encourage de visiter notre site Internet. C'est ibpnetwork.org. Next. Merci à tous mes partenaires et surtout merci, un grand merci à mes collègues de IBP, Carolyn Ekman et Ados May. Ados, il a organisé le série de webinaires qu'on participe en aujourd'hui. Merci à vous. Next. Bon, comme j'ai dit, d'abord, je vais juste commencer avec un petit résumé pour juste discuter un peu ce qu'on a noté pendant cet exercice. L'exercice, comme vous savez, c'était ciblé sur documenter les preuves et les expériences en utilisant les pratiques à haut impact dans la planification familiale et aussi les lignes directrices et les ressources de OMS. Et ce qu'on a noté, c'est la plupart des histoires, ils ont concentré sur les pratiques de la prestation des services. Par exemple, le service mobile, la santé de la communauté, etc. Mais il y avait également des histoires qui ont mis en évidence l'engagement de communauté, les politiques, la finance, etc. En concernant les outils de OMS, on a vu que les critères médicaux et le manuel de planification familiale et aussi le kit de ressources sur la formation, ils ont été les directives les plus citées dans les histoires. Mais il y avait des autres aussi, par exemple, les lignes directives de OMS concernant la garantie des droits de l'homme dans la fourniture des informations et des contraceptifs, et aussi les autres lignes directives. Pour les santé d'adolescents, par exemple, ils ont également été référencés dans les histoires. Prochaine. On a appris des leçons en regardant toutes les histoires ensemble. On a noté cinq leçons clés, on peut dire. Le premier, c'est vraiment que les pratiques à haut impact ne sont pas mises en œuvre dans une manière isolée. C'est-à-dire, on a noté que dans nombreuses des histoires, même si le pratique était l'accent était sur une pratique spécifique, les pratiques ils étaient souvent combinées avec les autres. Par exemple, en Tanzanie, on a vu que l'accent c'était sur la sensibilisation mobile pour le PF, mais c'était lié avec des services déjà sur la sensibilisation pour le dépistage de VIH et la tuberculose. Donc, c'était vraiment ensemble, ce n'était pas seulement les services de PF. La deuxième, c'était qu'il y avait des autres meilleures pratiques qui sont
aussi essentielle pour le succès et pour de la mise en œuvre. Par exemple, dans nombreuses des histoires, on a lu que les effets, la gestion et le leadership et le mentorship, c'était aussi important que le pratique à haut impact. Donc, il y avait des autres pratiques comme ça qui étaient bien notées dans toutes les histoires. Le troisième, c'est que c'était important de lier les lignes directrices de OMS et les pratiques à haut impact pour soutenir un programme de très bonne qualité. Parce qu'on sait que les liens, excusez-moi, les directives de OMS, ils sont bien reconnus, mais quand on pouvait les lier bien avec les pratiques à haut impact, c'était beaucoup mieux la qualité des programmes. Par exemple, au Burkina Faso, ils ont partagé que dans le cadre d'une intervention de PF du postpartum, la formation était dispensée en utilisant les critères de OMS. Et aussi les nouveaux diplômes, ils ont reçu le manuel de planification familiale aussi. Donc, on a bien lié le pratique à haut impact avec les lignes directrices de OMS. La quatrième leçon qu'on a appris, c'était la programmation de la planification familiale, c'est vraiment intersectoriel. C'est-à-dire, dans toutes les histoires, presque toutes les histoires, il y avait des liens entre le programme de planification familiale et les autres aspects de communauté. Soit c'est avec l'éducation, les programmes économiques, plaidoyer du gouvernement ou même le changement climatique. Donc, ce n'est pas que les programmes de PF sont là tout seuls. C'est vraiment, il faut adopter une stratégie vraiment intersectorielle. Et finalement, le financement et le soutien technique, c'était vraiment important pour offrir un échange de capacités dans la documentation. Et c'est ça qu'on a, c'était un peu différent cette fois-ci. On a donné les deux, les financements et le soutien technique pour mieux documenter les expériences. Et ça aussi, c'était très important. Pas seulement pour la documentation, mais on a noté que on a créé une bonne communauté avec tous les auteurs. Et ça aussi, c'était très bien une expérience pour nous et pour les auteurs. Prochaine, next. Un autre sur le renforcement de capacité, c'est pas nouvelle, mais vous savez, le documentation, c'est difficile. C'est très facile pour nous à demander aux partenaires, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez documenter les expériences, mais ce n'est pas aussi simple. C'est compliqué, ça prend des ressources et il faut vraiment, si on veut vraiment documenter bien, il faut donner les ressources pour le faire. La deuxième, c'est que on a utilisé l'approche de storytelling. Raconter des histoires, c'est un peu créatif. Mais ça, c'était bien parce que les approches comme ça peuvent inviter les perspectives beaucoup plus diverses. Donc, si on veut vraiment les perspectives diverses, il faut qu'on offre les opportunités et les ressources pour les obtenir. C'est pas trop compliqué. Mais si on veut les expériences avec beaucoup des autres partenaires, il faut qu'on donne à les opportunités comme ça. Le troisième, c'était important de fournir une structure, mais pas d'être trop prescriptive ou directive. C'est-à-dire, on a donné les petits guides et comment est-ce qu'on dit, les instructions, mais c'était pas. On voulait que les histoires soient vraiment la voix de l'équipe. Donc, ça, c'était très important. Et la quatrième, c'est comme ça aussi, c'est de vraiment garder les histoires et les photos authentiques. Parce que ça aussi, c'était très important de ne pas changer la voix trop. On donnait un peu, on fait un peu des soutiens techniques, mais
on voulait vraiment garder les voix authentiques. Et finalement, on a construit une communauté. Comme j'ai dit avant, on a eu des appels réguliers avec les auteurs pour faire les soutiens et c'était vraiment une expérience très bonne. On a créé une bonne communauté entre tous les auteurs et c'était vraiment une très bonne expérience. Next. Finalement, j'aimerais terminer avec une petite cotation. Je ne sais pas si ça traduit très bien en français, mais c'est dites-moi les faits et j'apprendrai. Dites-moi la vérité et je vais croire. Mais raconte-moi une histoire et elle vivra dans mon cœur pour toujours. Et c'est vraiment juste pour noter l'importance de vraiment partager les histoires. Souvent dans la planification familiale, dans la santé publique, on veut des preuves, on veut des évidences. Mais vraiment, on doit vraiment penser à les autres types d'évidences comme les histoires pour bien comprendre ce qui se passe au niveau terrain. Last slide. Finalement, voilà, ici sont tous les gagnants du programme. Il y avait 15 histoires en total. Aujourd'hui, on va concentrer sur les trois, comme j'ai dit au début. Mais avec ça, je vous remercie et je passe la parole maintenant à mon collègue, Aissatou Choi de Knowledge Success. Elle va expliquer un peu le processus qu'on a utilisé avec nos partenaires à Knowledge Success. Aissatou, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Nandita. Merci beaucoup à tous. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce webinaire. Slide. Slide, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. Donc, comme Nandita vient de le dire, aujourd'hui, je vais vous parler du processus de la création d'histoires et de la diffusion des histoires de mise en œuvre de IBP. Donc, Knowledge Success est vraiment très heureux de s'associer à IBP pour cette activité de collecte d'histoires afin de mieux comprendre et documenter les expériences réalisées et les leçons apprises par les partenaires lors de la mise en œuvre des pratiques à fort impact et des directives de l'OMS. Slide. Alors, je vais d'abord vous parler du processus de sélection, donc de la soumission jusqu'à la sélection. Nous avons commencé à solliciter des soumissions d'histoire au début de 2020. Donc, nous avons reçu 110 soumissions, dont 89 en anglais, 10 en espagnol et 11 en français. Un groupe composé de plusieurs membres du comité directeur de IBP a fait office du comité d'examen. Chaque proposition a été examinée par deux membres différents du sous-comité et nous avons chacun examiné les histoires de notre côté à l'aide d'une feuille de notation. Puis nous nous sommes réunis, avons discuté et fait nos sélections finales. Donc, chaque gagnant a reçu une allocation de l'OMS pour écrire son histoire. Il n'a pas été facile de réduire le nombre de candidats. Donc, au départ, nous ne devions publier que 3 à 5 histoires, mais nous avons finalement porté ce nombre à 15 en raison du nombre d'excellentes propositions. Et nous avons fini par en sélectionner 12 en anglais, 2 en espagnol et 1 en français. Slide. OK. Alors, nous avons sélectionné les histoires en fonction d'un certain nombre de critères. Donc, nous recherchions des histoires intéressantes et uniques avec une voix claire. Nous étions également intéressés par les programmes qui avaient une diversité de partenaires, notamment les partenaires gouvernementaux, les ONG internationales, les organisations de base et divers donateurs. Et nous recherchions aussi une description claire du problème, des défis et de l'intervention. Donc, nous voulions voir des preuves d'impact, soit qualitatives ou quantitatives ou bien les deux.
Et puisque l'objectif de ces histoires est de partager des expériences réelles, nous recherchons des auteurs capables d'articuler clairement les leçons apprises et ayant une expérience unique de la mise en œuvre de pratiques à haut impact et ou de directives de l'OMS. Slide. Alors, au final, nous nous sommes retrouvés avec 15 histoires, comme j'ai dit tantôt, qui représentent un éventail d'expériences, de sujets, de zones géographiques, de partenaires, de pratiques à fort impact et de directives différentes. Donc, la collection d'histoires comprend environ 10 pratiques à haut impact différentes, ainsi qu'un certain nombre de directives différentes de l'OMS. Slide. Nous aimerions donc vous remercier une fois de plus, remercier tous les auteurs et les organisations qui ont été sélectionnés. Ils sont vraiment au cœur de cette activité et nous sommes très heureux d'avoir terminé toute cette histoire. Donc, c'est vraiment une collection fantastique et elle est très diversifiée avec 15 expériences uniques mises en avant. Donc, je vais maintenant vous présenter les histoires gagnantes de la région Afrique de l'Ouest. Donc, sur le slide, vous allez voir en détail les informations relatives à ces histoires-là. Et aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage de l'association béninoise de marketing social, ABMSPSI du Bénin, de Diage Piego du Burkina Faso et Option Consultancy Services de Madagascar. Slides. Oui, slide encore. On va parler de la diffusion et du suivi. Donc, toutes les histoires finales sont maintenant disponibles sur le site web de IDP sous la rubrique Histoire de mise en œuvre. Et chaque histoire est également disponible en anglais, en français et en espagnol. Donc, veuillez les partager avec vos réseaux également. Et Knowledge Success et IDP se sont aussi associés pour lancer une nouvelle saison du podcast Inside the FP Story qui mettra également en avant ces expériences de mise en œuvre. Donc, je vous invite à rester à l'écoute pour plus d'informations sur ce podcast que vous aurez bientôt. Slide. Alors, je m'en vais vous présenter d'autres ressources pour la région Afrique de l'Ouest. Donc, vous avez FP Insight, qui est une plateforme construite par et pour les professionnels de la PFSR. Donc, il vous permet de sauvegarder vos ressources préférées dans des collections organisées et de voir ce que les autres sauvegardent. Donc, je vous invite vivement à contribuer à un corpus de connaissances qui profite à l'ensemble de la communauté. Et pour la deuxième ressource, vous avez Learning Circles ou les cercles d'apprentissage, qui sont aussi des discussions très interactives en petits groupes entre pairs travaillant dans le domaine de la PFSR sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la mise en œuvre des programmes en vue de trouver des solutions aux défis communs. Donc, nous allons aussi débuter cette activité avec la cohorte francophone à partir du 20 octobre et l'engagement significatif des jeunes sera le sujet de discussion. Et pour la dernière ressource pour la région, nous avons les KM Training que nous tiendrons également très prochainement dans la région et au cours desquels vous apprendrez et appliquerez de nouvelles compétences en matière de gestion des connaissances dans vos programmes de planification familiale et de santé génésique grâce à la série de formations sur la gestion des connaissances. Slide. Alors, j'aimerais tout particulièrement remercier tous les auteurs, partenaires et organisations qui ont travaillé sur ces histoires. Et maintenant, je vous invite à les écouter attentivement. Merci beaucoup, Nandita. Merci de votre attention. Super, merci Aissatou. Et maintenant, bienvenue à nos présentateurs. Nous sommes ravis d'avoir vous avec nous et je vais vous présenter le premier présentateur. Next. C'est Merci, Monsieur. Nanita. Oui, c'est Monsieur Cyprien Zinsou. Je vais juste faire une petite introduction pour vous. Il est sociologue.
Et depuis 2006, elle est avec l'association béninoise de marketing social. Allez-y, Monsieur Cyprien, vous avez la parole. Merci, Nandita. Slide. J'aimerais vous présenter l'Académie de l'artisanat, modèle d'autonomisation pour améliorer la santé sexuelle des adolescentes et des jeunes filles au Bénin. Slide. Alors, l'enquête de démographique et de santé, la dernière au Bénin, montre que la prévalence contraceptive chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans est de 8,5% et que les femmes ont leur premier rapport sexuel à un âge plus précoce que les hommes. En effet, parmi les jeunes femmes de 15-19 ans, 12% avaient déjà commencé leur vie sexuelle avant d'atteindre l'âge exact de 15 ans, contre 6% chez les jeunes hommes de 15 à 19 ans. Le ministère de la Santé a fait de la santé reproductive des adolescents et jeunes une priorité et a élaboré une stratégie qui vise à améliorer la disponibilité et l'accessibilité des services de SRH de qualité pour les ados jeunes. C'est dans un tel contexte qu'est née l'Académie de l'artisanat comme projet pilote de pratique à haut impact. Son but est d'améliorer l'accès et l'utilisation des méthodes modernes de contraception pour les ados jeunes filles non scolarisées ou déscolarisées et non mariées âgées de 15 à 24 ans, en utilisant des éléments d'engagement du groupe communautaire pour aider à accroître l'autonomisation économique et le soutien au service de la PF. Quelle est l'approche utilisée? Nous avons utilisé une approche de human-centered design. Nous sommes partis d'une recherche formative, identifier, tester des prototypes pilotés, améliorés pour en arriver à l'Académie de l'artisanat. Sur les 11 prototypes que nous avions identifiés à l'issue de la recherche qualitative, c'est l'Académie de l'artisanat qui s'est révélée le meilleur que nous avons mis en œuvre. Les parties prenantes sont la BMS, avec l'appui de Population Services International, le partenaire technique IDEO, qui est revenu au Bénin à travailler avec nous, avec le soutien du ministère de la Santé, et tout cela a été fait sous financement de l'USAID. Slide. Slide. Alors, quand on parle d'académie de l'artisanat, la pratique à haut pratique, de quoi s'agit-il? C'est d'abord une série de séances hebdomadaires d'apprentissage de fabrication d'objets de beauté à l'aide de pelles et de tissus. Donc, les jeunes filles sont groupées, on leur apprend à faire quelque chose de pratique. Et pendant cette séance, on leur accorde 30 minutes des leçons de santé. Donc, on apprend un métier, on apprend sur la PF. Et à l'Académie de l'artisanat viennent s'ajouter deux activités complémentaires qui sont les discussions avec les mères ou tutrices des filles, organisées environ deux fois par mois, et la fête de la jeunesse, organisée une fois dans le mois, où les jeunes filles ont l'opportunité d'inviter leurs amis, frères ou partenaires à la fête. Trois personnes interviennent au cours des séances de l'Académie de l'artisanat. Il y a la formatrice, celle que nous voyons en haut, par exemple, elle est en train d'enseigner le métier, et l'animatrice communautaire qui donne la leçon de santé. Le troisième est le facilitateur qui coordonne les activités des deux premières personnes. Et l'agent de santé de la communauté chargé de PF dans le centre de santé est invité par moment, vient rendre visite aux filles au cours de l'académie de l'artisanat pour leur offrir des conseils ou des services et inviter les filles, si elles le veulent, de venir leur rendre visite à leur temps libre pour échanger avec eux et éventuellement offrir des services. Alors, le projet a fourni les agents de santé et en début de programme pour offrir des santé, des services de haute qualité selon les directives de l'OMS. En termes d'historique, nous avons commencé avec l'Académie de l'artisanat en 2017 à Dassa-Zoumé, au centre du Bénin. En 2018, nous sommes partis à Savalu, notre commune du centre du Bénin, qui travaille avec 62 filles. Et en 2019, nous avons étendu l'expérience sur quatre communes du sud, Sakété, Poubert, Agbayizoum et Boyikon,
quatre communes du Sud et avons travaillé avec 243 filles. Alors, ce que je vais vous présenter dans la suite concerne l'expérience de 2019 avec 243 filles. Slide. Donc, en termes d'impact, nous avons remarqué que les connaissances des filles et les pratiques sont améliorées rapidement. Alors, en avril 2019, à l'étude de base, nous avons eu 21% de filles qui connaissaient, pouvaient vous citer au moins 3 méthodes de bouteille de contraception. En juillet de la même année, 100% des filles pouvaient vous citer au moins 3 méthodes modernes de contraception. Un autre indicateur, les filles qui peuvent rejeter des idées erronées sur la PF erronée telles que utiliser une méthode de PF dans le cancer et autres. Et puis, les filles étaient capables de vous citer au moins 3 méthodes contraceptives. On était à 37% en avril et juillet de la même année, nous sommes passés à 99%. Alors, pourcentage des filles qui pouvaient discuter avec leur partenaire sexuel. Parmi les 243 filles, il y a 135 qui avaient déjà de partenaires sexuels. Et la discussion, au départ, en avril, on avait 40%. Et en juillet, on est parti à 79%. Alors, parmi ces filles, 135 filles, au cours du programme, à la fin du programme, on a remarqué qu'on était en contact avec les agents de santé qui nous envoyaient des filles. 39 ont pu adopter un contraceptif moderne, soit un taux de 29% pour un travail fait seulement d'avril à juillet 2019. Slide. Alors, nous pensons que ces chiffres traduisent une transformation rapide des connaissances des filles et leurs attitudes en matière de CSR. Nous pensons aussi que l'Académie de l'artisanat est une approche qui, tout en visant l'autonomisation des filles, améliore efficacement et rapidement leurs connaissances et comportements à l'égard de la PS. Nous avons organisé une troisième étude au cours de cette même année, c'est-à-dire deux mois juste à la fin de l'Académie de l'artisanat, une étude qualitative auprès des filles, des mères, des garçons, pour avoir un peu leur perception de l'expérience qui a été vécue. Et elle était très positive. Je prends l'exemple de cette fille qui nous dit, écoutez, les objets en pelle fabriqués et les discussions sur la santé reproductive ont eu un impact positif. Car non seulement j'ai vendu des pelles à hauteur de plus de 10 000 francs déjà, mais j'ai également été sollicité pour former des apprentis auprès d'une spécialiste de pelle parce qu'elle a vu que j'ai réalisé et porté un modèle type de collier et de boucle d'oreille que j'ai conçu. Cette mère nous apprécie. Ce que j'ai apprécié le plus, ce sont les enseignements sur les sexualités. Comment faire pour éviter les grossesses non désirées? Slide. Alors, en termes de défis, le principal, comme vous pouvez vous imaginer, c'est la réticence des parents au début du programme. Voilà des gens qui sont venus dans une communauté et veulent parler d'un sujet délicat dont on ne parle pas souvent, la santé de la reproduction. Et les pères de famille, notamment, étaient très réticents au départ. Mais comment avons-nous réussi à les avoir dans notre programme? C'est la sensibilisation d'abord. Les équipes du terrain ont rendu visite à domicile à des filles. Vous voyez deux de nos animatrices sur la photo d'en haut qui sont parties dans une maison travailler avec la fille pour nouer de contact avec leurs parents pour avoir l'opportunité d'expliquer davantage le but du programme. La seconde chose que nous avons fait est d'encourager les filles à rentrer à la maison avec les objets qu'elles fabriquaient à l'Académie de l'artisanat. Elles fabriquaient des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets qu'elles portaient et rentraient à la maison. Elles étaient jolies avec les parents vus et pouvaient même vendre ce qu'elles ont fabriqué à leurs sœurs, à leurs amis du quartier, d'où une amélioration de la perception des parents, des pères de famille qui étaient très réticents au départ, ont donné leur adhésion au programme et ont encouragé les filles à poursuivre par la suite la formation. Slide. Slide. Alors, les leçons apprises, elles sont essentiellement au nombre de trois. Premièrement, la combinaison de l'enseignement d'une compétence et
de la santé sexuelle et reproductive à améliorer la décision sur la PF. Deuxièmement, l'assurance de la qualité des services de haute qualité adaptés aux jeunes au niveau des formations sanitaires. Je disais tantôt que les agents de santé ont été formés au début pour offrir des services adaptés aux jeunes. Donc, il fallait s'assurer au cours du programme que ces agents de santé avaient des services disponibles aux filles jusqu'à la fin du programme. Et la troisième leçon, en fait, c'est l'implication des garçons, partenaires ou frères, par le biais des fêtes que le programme organisait. Ça a apporté un succès complémentaire à l'Académie de l'artisanat et une perception plus valorisante des filles dans leur communauté. Voilà des filles qu'on trouvait dans la rue, au marché, à la maison, mais qui ont plus de la valeur maintenant parce qu'elles ont quelque chose de concret à faire. Donc les garçons ont une perception plus valorisante des filles de la communauté. Slide. En termes de recommandations, nous suggérons que des projets similaires soient mis en place pour concevoir des pilotes qui répondront aux besoins et désirs des adolescents et jeunes. Suggérons que des moyens soient trouvés pour engager les personnes influentes pour une meilleure visibilité et valorisation de la formation. Et enfin, nous suggérons au programme de s'efforcer de trouver les moyens de connecter les participantes aux structures existantes afin de les aider à améliorer leurs entreprises. Slide. Merci pour votre attention. Slide. Merci donc pour votre attention. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis ouvert aux questions si vous en avez. Merci pour votre attention. Super. Merci beaucoup, Cyprien. C'était vraiment intéressant histoire et programme. Et on voit beaucoup, c'est un exemple d'un programme qui était vraiment intersectoriel. Donc, merci pour le partage. Maintenant, je vous présente M. Yacouba Ouadraogo. Il est gestionnaire de programme pour le projet Performance Monitoring for Action avec JAPAIGO, basé à Burkina Faso. Monsieur Ouadraogo, je vous passe la parole. Allez-y. Merci. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette expérience qui a été conduite au Burkina Faso par JAPAIGO et le ministère de la Santé et qui a contribué à transformer l'accès et l'utilisation de la planification familiale dans la période du postpartum, surtout en renforçant la formation de base des sages-femmes et des médecins en spécialisation de gynécologie et obstétrique. Slide. Juste pour rappeler rapidement le contexte, il faut dire que en 2011-2012 déjà, le gouvernement du Burkina s'était engagé à travers donc le lancement du partenariat de Ouagadougou et au sommet de Londres sur la PF pour augmenter l'utilisation de la planification familiale volontaire dans le but de réduire la mortalité et la mortalité maternelle et infantile. Il faut dire que cet engagement a été fait dans un contexte où les indicateurs connaissait quand même un niveau, était d'un niveau assez faible et assez préoccupant, surtout pour la mortalité maternelle. Mais ce qui était encourageant, c'est qu'avec les initiatives que le ministère avait prises, notamment la gratuité des soins offerts aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes, on avait déjà commencé à avoir une bonne utilisation des services prénatals et également un bon taux au niveau des accouchements assistés. Et cela constituait donc une opportunité parce qu'on a les femmes qui ont des contacts avec les formations sanitaires pour offrir donc des services de planification familiale dans les postpartum. C'est d'ailleurs ce que JAPAIGO a voulu saisir comme opportunité en mettant en place depuis 2013-2015 une approche pilote de PF dans les postpartum qui a rapidement connu des résultats fort encourageants et qui laissait donc présager qu'une extension à un grand ensemble de formations sanitaires de cette approche pouvait donc permettre d'améliorer l'accès et la qualité des services de PF. Slide. Donc, le besoin étant connu,
Il fallait donc rendre les services de PFPP plus disponibles aux femmes. Et pour cela, le pays devait avoir un nombre suffisant de prestataires formés pour donc offrir les services de PF. La solution que Zipaigo a proposée était donc d'intégrer la PF du postpartum dans la formation de base des sages-femmes et des gynéco-obstétriciens. Donc, et également de suivre, après le déploiement de ces nouveaux diplômés dans les formations de base, quand ils sont déployés sur le terrain, de suivre, donc, de faire une cartographie donc, des sites dans lesquels ils sont déployés et de renforcer les capacités de ces formations sanitaires pour appuyer donc l'offre de services par ces nouveaux diplômés. Donc, la pratique à haut impact qu'on a voulu ici mettre en œuvre, c'est la planification familiale du postpartum, surtout dans le postpartum immédiat. Et Zipaigo a donc travaillé en collaboration avec le ministère de la Santé, mais également avec les écoles de formation des prestataires de santé, notamment l'École nationale de santé publique, et l'université, l'unité de formation en recherche de santé qui donc formait les gynécologues. Slide. Alors, la stratégie étant donc d'intégrer dans l'enseignement pré-service la formation sur la PF du postpartum et de créer également une passerelle vers donc la formation, vers les formations sanitaires pour l'offre de services de qualité. De façon plus concrète, il s'est agi de partir d'abord d'une démarche participative pour décider ensemble avec le ministère, avec les écoles, de comment est-ce qu'il fallait intégrer PFPP dans les curricula. Et ensuite, on a essayé de mettre en place des instruments pour donc assurer la qualité de cette formation, notamment les laboratoires de compétences. Les laboratoires de compétences ou de simulation, ce sont des unités dans lesquelles les étudiants devaient pouvoir pratiquer les compétences et des modèles anatomiques. C'est une structure suffisamment organisée à l'image d'une formation sanitaire, sauf que ici, les clients sont remplacés par des modèles anatomiques, mais les étudiants devaient se comporter vraiment comme s'ils travaillaient dans un environnement d'une formation sanitaire avec le respect des règles du pays et tout ça. Donc, la révision également du programme de formation a permis de mettre plus l'accent sur la formation pratique, clinique, plutôt que sur la théorie qui était un peu la pratique en son temps. Et nous avons également apporté un appui au site des stages cliniques avec le matériel minimal requis pour quand même pouvoir assurer l'offre de services de PF, mais également pour pouvoir assurer la prévention des infections associées aux soins. Et nous avons, après le déploiement des nouveaux diplômés, on a fait la cartographie, on a identifié les sites, ils ont commencé à pratiquer et on a mis en place un mécanisme de mentorat. D'abord, il y a le suivi et la supervision sur site par des superviseurs et des mentors, mais il y a également un mentorat mobile avec les téléphonies mobiles où on envoyait des messages aux prestataires pour nous assurer qu'ils maintenaient les connaissances qu'ils avaient acquises. Et on a également fait la promotion donc des champions, l'émergence des champions parmi ces nouveaux diplômés qui étaient des personnes engagées, qui offraient les services et qui encourageaient également les prestataires à le faire. Et ça permettait donc de maintenir la démarche et l'engagement au niveau des prestataires. Slide. En termes de résultats, il faut dire qu'au-delà de l'intégration de la PFPP dans les curricula de formation, les curricula qui sont du reste utilisés par l'ensemble des écoles parce que toutes les écoles utilisent le même curricula. Donc, il y a les sites de stage qui ont été équipés, il y a des laboratoires de compétences qui ont été mis en place, des bibliothèques qui ont été réhabilitées et équipées. Les enseignants ont reçu une mise à jour sur la PF, une mise à jour technique sur la PF et les soins après avortement. Une mise à jour sur comment utiliser les techniques de simulation et les techniques d'enseignement efficaces. Et au total, on avait plus de 730 nouveaux diplômés sages-femmes qui ont été déployés avec des compétences en PFPP et également plus de 70 gynécos de l'université Joseph Kizerbo qui ont également été déployés avec de nouvelles connaissances. C'est au total 380 formations sanitaires qui ont réussi ces nouveaux diplômés. Et en termes de couverture des cibles, nous avons au cours de la période 2015-2020
nous avons enregistré plus de 172 000 femmes qui ont accouché dans les formations sanitaires concernées, avec plus de 355 000 qui ont reçu le counseling pour la PF dans le postpartum. Plus de 26 700 ont adopté une méthode, dont 26 500 pour le DI et puis 92 000 pour l'implant. Diapo. En termes de leçons apprises, il faut dire que nous avons surtout noté que le déploiement des laboratoires de compétences et le renforcement des capacités des enseignants a permis d'améliorer au-delà de l'enseignement de la PF, l'enseignement de façon générale. Il faut dire que dans les laboratoires de compétences, on avait des stations pour plusieurs types de compétences, alliant donc la CPN, l'accouchement, et même la prévention et le dépistage de la prévention des lésions précancéreuses. Donc, il y avait plusieurs stations de travail et le fait d'organiser le travail avec ces laboratoires de compétences permettait vraiment aux enseignants de délivrer une formation de meilleure qualité. Ce que nous avons aussi remarqué, c'est que c'était très bien de renforcer la formation initiale, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Étant donné que quand les nouveaux diplômés sortaient de l'école et qu'ils se retrouvaient dans des formations sanitaires, ils sont sous l'encadrement des plus anciens qui étaient déjà là-bas et qui, dans la plupart des cas, ne maîtrisaient pas, par exemple, les nouvelles techniques. On sait que pour, par exemple, placer les dispositifs intra-utérins dans la période du postpartum immédiat, la technique n'est pas tout à fait la même que celle classique qu'on connaissait avec la PF d'intervalle. Donc, il fallait donc que ces prestataires puissent offrir les services et ils n'avaient pas toujours beaucoup de soutien de la part des anciens qui ne maîtrisaient pas encore cette technique. Et ce que nous avons fait pour rattraper cela, nous avons donc ajouté à notre approche une démarche de formation sur site. On est allé dans les sites, on a formé en un temps assez réduit, focalisé sur les compétences nouvelles, les anciens prestataires qui étaient là-bas pour permettre donc d'avoir des équipes holistiques qui offre donc les services. Et cela a permis vraiment de voir une amélioration nette donc de l'utilisation de l'accès et de l'utilisation des services dans ces formations sanitaires. Un autre aspect que nous avons noté, c'est la prise en compte des données de PF du postpartum dans le système national d'information sanitaire. Ce n'était pas le cas au début, comme c'est une démarche nouvelle, mais quand on a pu intégrer ces données dans le système national d'information sanitaire, l'utilisation de ces données pour la prise de décision était meilleure. Slide. En termes de recommandations, nous disons que pour assurer vraiment, pour réussir l'intégration donc, de la PF du postpartum dans la formation de base et créer une passerelle pour l'offre de services réussie, il faut assurer vraiment un engagement étroit avec le ministère de la Santé, travailler ensemble pour pouvoir donc avancer dans la révision des curricula, dans la mise en place de l'enseignement efficace au niveau des formations sanitaires, mais également de l'offre de services. Il faut déployer une approche de formation à plusieurs niveaux, au niveau d'abord des acteurs, au niveau central des enseignants, au niveau également des sites de stages cliniques. Il fallait former également les encadrés cliniques et bien sûr les prestataires au niveau des sites aussi. Et asseoir un mécanisme de un système de counseling solide, équilibré et centré sur le client pour que la décision puisse être vraiment prise de façon éclairée. Il faut inclure un suivi solide tout au long du processus et un système de supervision qui permet vraiment de corriger les insuffisances et de donner plus de confiance aux prestataires. Slide. En termes de conclusion, nous disons que même si nous avons dû donc adapter un peu notre approche pour prendre en compte la formation sur site dans l'objectif de donner les compétences également aux staff qui sont déjà sur le terrain pour avoir des équipes assez holistiques pour avancer dans l'offre de services, on a noté que cette intégration donc de la PF du postpartum dans la formation de base des sages-femmes et des gynécos a été vraiment, c'était une nécessité et s'est révélé être vraiment une approche porteuse qui a permis donc d'améliorer l'accès et l'utilisation
aussi bien la qualité des services de PF dans les formations sanitaires qui ont été concernées. Merci pour votre attention et nous restons disponibles pour apporter plus d'informations si vous le souhaitez. Super. Merci beaucoup pour partager votre histoire. C'était vraiment des résultats impressionnants. Mais c'était aussi agréable de voir un exemple d'une autre meilleure pratique, comme vous avez mentionné, le mentorat mobile qui faisait aussi partie d'un programme. Donc, merci beaucoup à vous. OK, maintenant, je vous présente notre présentatrice finale, Madame Onisoa Rindra Ralidera. Elle est le Country Lead de Options à Madagascar et conseillère en politique et planification pour le projet Wish to Action. Onisoa, je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup, Nandita. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour nous de pouvoir vous présenter aujourd'hui notre histoire de mise en œuvre à Madagascar intitulée « Suppression des taxes des produits contraceptifs, un plaidoyer stratégique conduit à une augmentation du budget pour la planification familiale ». Cette histoire s'est déroulée en 2019 et nous sommes Options Consultancy Services, membres du consortium de Vision UK Programme. S'il vous plaît. Parlons un peu du contexte à Madagascar. Madagascar est un pays parmi les pauvres dans le monde. 75% de la population vivent en dessous de 1,90$ par jour en termes de PIB par habitant. Et l'indice statistique de fécondité est de 4,6 enfants par femme. Et la mortalité maternelle est encore dans les 426 par 100 000 naissances vivantes et encore 6 femmes par jour environ meurent autour de la grossesse, dont 3 parmi elles sont des adolescentes de 15 à 19 ans. Sans parler des autres données vraiment alarmantes, d'où l'accès aux services reste très important. Malgré les engagements effectués concernant les SRPF, comme le mouvement Family Planning 2020, tirer profit du dividende démographique et le taux de prévalence contraceptive à 41%, quand même, ça a augmenté. Pour les achats de contraceptifs, les bailleurs assurent mieux avec plus de 95% des besoins et le reste pour l'État. Et pourtant, le ministère de la Santé publique doit encore payer les taxes de ces bailleurs. Donc, pourquoi ne pas détaxer ces produits contraceptifs? Au moins, on a un budget pour pouvoir augmenter le budget alloué pour l'APF annuellement. Slide, s'il vous plaît. Détaxer les produits contraceptifs est une des solutions phares pour faire augmenter le budget annuel. Il faut quand même savoir que Madagascar, en étant un pays pauvre, dépend des taxes. Donc, les taxes sont vraiment essentielles pour pouvoir avancer. Donc, il faut vraiment arriver à persuader les décideurs. Pour obtenir un haut impact, il faut connaître le processus normal de l'adoption d'une détaxation à Madagascar. Il faut bien identifier les décideurs clés de cette détaxation, s'assurer qu'ils soient prêts à défendre et enfin collaborer avec les partenaires comme le ministère de la Santé publique et le mécanisme de redevabilité. Donc, dans ce schéma, il y a à gauche tous ces problèmes et pourquoi ne pas résoudre avec la détaxation et à droite, c'est la façon dont on a fait la détaxation à Madagascar. Slide suivant, s'il vous plaît. Ce prochain schéma montre le processus normal en vert français et en vert plus clair le processus pour le plaidoyer. Madagascar possède un comité national en planification familiale vraiment très engagé. Il regroupe tous les ministères concernés par le programme santé de la reproduction en planification familiale et aussi les partenaires techniques et financiers vraiment engagés et ainsi que les organisations de la société civile comme COMARES ou Coalition Malagas pour le renforcement du système de santé, qui est le mécanisme de redevabilité mis en place par Wish to Action en 2019. Ce comité est dirigé par le ministère de la Santé publique à travers la direction de la santé familiale. Pour le processus normal en vert français,
Comme tous les membres de ce comité, nous avons appuyé le ministère de la Santé publique dans l'élaboration d'une lettre de demande de cette détaxation des produits contraceptifs venant du ministère de la Santé publique pour le ministère des Économies et des Finances afin de l'intégrer dans le projet de loi de finances. La lettre a été acceptée et la détaxation a été intégrée dans le projet de loi de finances. Et ça a été adopté au niveau du Conseil du gouvernement et Conseil des ministres. Notre plaidoyer s'est focalisé sur les parlementaires parce qu'ils détiennent la décision finale de l'adoption de ce projet de loi de finances. Plus précisément, on a approché le président de la commission santé au sein de l'Assemblée nationale. Il est déjà allié de la planification familiale depuis l'adoption de la loi santé de la reproduction planification familiale en 2017. Il a un pouvoir d'influence auprès des parlementaires. Nous avons fait le plaidoyer en utilisant un outil démontrant les avantages économiques de l'investissement de l'APF, à part les données alarmantes aussi qui existent à Madagascar. Ce qui veut dire, certes, on demande une détaxation, donc un gain à perdre, mais Madagascar aura un retour beaucoup plus après, car l'APF est le pilier important pour tirer profit du dividende démographique. Il s'est engagé en nous disant ceci. Ne vous inquiétez pas, je connais maintenant les bénéfices du zéro taxe des produits contraceptifs et donc je vais personnellement défendre cela durant la session plénière. Il a effectué ce rôle et la détaxation a été adoptée à l'unanimité après quelques minutes seulement de vote au sein de l'Assemblée nationale. En 2020, la détaxation a commencé à être effective. Qu'en est-il des leçons apprises? Pour les leçons apprises, il faut connaître le processus normal et trouver un moyen pour pouvoir booster, pour obtenir un haut impact. Le document montrant les argumentaires, il nous faut cela, et les données probantes à donner aux décideurs et l'engagement de l'influenceur sont tous essentiels et très importants. Et on n'a pas besoin d'un document vraiment long, mais vraiment un petit document, une sorte de brochure pour résumer tous les arguments possibles pour pouvoir aider le décideur à influencer. Pour les recommandations, ces leçons apprises sont toutes des recommandations aussi pour faire ce sorte de plaidoyer stratégique. Donc, ces leçons apprises sont importantes à connaître et appliquer. Oui, il est vraiment très important de bien choisir le décideur influenceur. Ce qui se passe, parce qu'après cette histoire, on a encore refait le plaidoyer en 2020 pour obtenir beaucoup plus de budget, c'est-à-dire budget significatif pour l'APF. Donc, c'était autour du mécanisme de redevabilité que Comarès a effectué ce plaidoyer auprès des décideurs parlementaires. Et le résultat, nous avons obtenu l'engagement des femmes parlementaires comme les commissions finances, commission population, à part la commission santé qui est déjà notre allié. Ils étaient prêts à voter entre le conseil des ministres et le conseil des ministres à travers des commissions. Il y a eu un court-circuit et le budget du projet de loi des finances une voté dans le 2021. Notre fondation, donc, cet éventuel changement peut être un changement ponctuel, mais il faut analyser profondément d'où nous espérions partager bientôt le résultat de notre analyse de la politique économique qui est complémentaire avec ce haut impact, qui se focalise sur l'identification des facteurs de blocage par rapport à l'adoption du budget que nous, Options for Beach to Action, sommes en train d'effectuer actuellement. Tout cela pour que l'accès aux services à Madagascar est effectif et comme nous savons tous que l'APF aide et s'impliquer pour tirer profit du dividende démographique et pour que cet accès soit vraiment effectif pour tout individu le désirant, comme en ce
mentionnée dans la loi SRPF de 2017-0. Merci, Onisoa. Je pense que on a perdu le son. Vous êtes toujours là ou non? OK. Merci. Merci pour la présentation. C'était vraiment intéressant, une approche vraiment innovante pour financer les services de PF, la contraception. Nous sommes presque à l'heure. Donc, je vais suggérer qu'on va pas prendre des questions. Mais vous pouvez contacter les auteurs directement. Toutes les coordonnées sont dans les histoires. Et je vais maintenant passer la parole à Aissatou, qui va donner un peu des mots de clôture, et puis et à moi, et après on va terminer. Donc, Aissatou, je vous donne la parole pour des mots de clôture. Merci. D'accord, merci beaucoup Nandita. Bon, je pense que nous allons juste remercier les différents intervenants ainsi que les participants. C'était vraiment les différents participants, c'était vraiment très 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 intéressant. Et maintenant, juste espérer que ces histoires qui ont été présentées vont inspirer tous ces participants à documenter et à partager leurs histoires de mise en œuvre au sein de leur projet de PFSR dans le cadre de leurs activités. Donc, nous vous encourageons vraiment à adopter la même démarche, à documenter et à partager avec les pairs ce que vous êtes en train de faire dans vos différents pays, dans vos différents projets. Merci beaucoup à tous et merci d'avoir participé. Excellent. Merci, Aissatou. Et de mon côté aussi, merci à tous les présentateurs, tous les auteurs. C'était vraiment intéressant. Et au nom de l'OMS, merci à tous parce que c'était vraiment un exercice pour nous. C'est un exercice très différent. Et on a vu que c'était vraiment, ça nous a donné des expériences vraiment innovatives et c'était excellent. Juste un petit rappel, next slide. Vous pouvez trouver toutes les histoires sur le site web de IBP. Également, vous pouvez trouver tous les webinaires parce qu'on a fait des webinaires en anglais et espagnol et maintenant aujourd'hui en français. Ils sont tous là sur le site web et avec toutes les histoires aussi. Et pour plus d'informations, vous pouvez visiter les sites web de OMS, les FP Pratica au Impact et ibpnetwork.org. Donc, merci à tous, les présentateurs et les participants. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.